Chérie, les enfants, c'est moi, je suis rentré. Bonjour Jason, comment ça va mon fils? Au fait, c'est quoi la différence entre potentiellement et réellement? Alors, comment t'expliquer? Ah bah tiens, j'ai une idée. Allez, viens voir ta soeur qui est là. Lina! Ouais. Bon, Kamina, tu vois le voisin là, qui est charcutier, à côté? Ouais. Dis, tu coucherais avec? Non, c'est pas du tout mon genre. Pas du tout. Non. Et pour 1 million d'euros? Ah bah ouais, hein, finalement, pour 1 million d'euros, ouais. Il est pas si mal que ça, je coucherais bien avec. D'accord. Bien. Allez, viens. Viens, voisin, alors vraiment. Chérie? Oui. Chérie? Je suis là, je vais faire le linge. Ah oui. Dis-moi. J'ai une question. Ouais. C'est pour un exercice là. Tu vois le voisin, celui qui est charcutier? Oui, le moche, le gros là. Ouais, tu coucherais avec? Mais t'es malade. Non, n'importe quoi. Devant notre gosse en plus. Ouais, on regarde maintenant. Et pour 1 million d'euros, tu coucherais? Il a 1 million d'euros? Bah, non. C'est vrai qu'il est. Il est pas mal fait. J'ai remarqué qu'il fait du sport tous les matins. Non, c'est lui qui court. Écoute, par gentillesse. Par gentillesse, oui. D'accord. Bon, tu viens. Tu viens, Jason, on va finir ton exercice. Allez. Tu vois, Jason, potentiellement, on a 2 millions d'euros sur notre compte en banque, mais réellement, on a 2 putes à la maison.